تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما هاجر المسلمون إلى الحبشة استقروا هناك وعاشوا في أمن لا يؤذيهم أحد، حتى جاء سفير النجاشي من قريش، فجاء يحملان معهما الهدايا، فدفع بعضا منها إلى البطارقة المقربين من الملك، وطلبوا منهم أن يشيروا على الملك بأن يسلمهم المهاجرين القادمين من مكة. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui émigrèrent en Abyssinie, donc l'Éthiopie actuelle, purent vivre dans la paix et dans la tranquillité jusqu'à ce que deux émissaires de Quraysh envoyés au roi d'Abyssinie arrivent en Abyssinie. Et ces deux émissaires amenèrent avec eux un certain nombre de cadeaux d'une grande valeur. Ils commencèrent par en distribuer une partie aux dignitaires religieux proches du roi, en leur demandant de conseiller au roi de leur remettre les migrants. فلما دخل السفيران على النجاشي قال له يعني قدم له الهدايا ثم قال له إنهم قد لجأ إلى أرض الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم فبعثنا إلى الملك فيهم أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ليردهم إليهم فهم أعلم بما عاتبوهم فيه. فهنالك تدخل البطارقة وأظهروا استحسانهم لطلب وفد قريش وأشاروا على الملك بأن يسلمهم إليهما. Donc les deux émissaires rendirent visite au roi. Ils lui présentèrent donc des cadeaux, les cadeaux d'une grande valeur, et lui dirent « Certains jeunes dénués d'esprit parmi notre peuple sont venus dans le pays du roi et ils ont abandonné la religion de leur peuple sans entrer dans la religion du roi et ont inventé une religion que nous ne connaissons ni nous ni vous. Et donc les nobles parmi leur peuple nous ont envoyés, les nobles parmi lesquels se trouvent donc les pères, les oncles et les proches de ces jeunes gens, nous ont envoyés vers le roi afin qu'il nous les remette, car ils sont plus à même de connaître, de savoir ce qu'ils ont commis comme crime et plus à même de les punir en conséquence. Et les dignitaires religieux, à ce moment-là, appuyèrent la requête des deux ambassadeurs et conseillèrent au roi, effectivement, de leur remettre les migrants. فهناك غضب الملك غضبا شديدا وقال لا والله لا أسلمهم وقد اختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم فإن كانوا كما يقولان يعني كما يقول سفراء قريش أسلمتهم إليهما وإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ثم دعا النجاشي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضروا سألهم قال لهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في أي دين من هذه الملل. Donc le roi fut très en colère par la proposition des dignitaires religieux et leur dit non, par Allah je ne leur remettrai pas, sachant qu'ils m'ont choisi avant que je ne les convoque et que je ne les questionne. S'ils sont comme ces deux-là le prétendent, je les leur remettrai. Mais s'il en est autrement, je les protégerai et je ferai preuve de bon voisinage à leur égard
tant qu'ils resteront dans mon royaume. » Il convoqua alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur demanda: « Qu'est-ce donc que cette religion que vous avez, pour laquelle vous avez renié la religion de votre peuple, et sachant que vous n'êtes pas entré dans ma religion ni dans l'une des religions que nous connaissons ?» فكلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى أن نوحد الله تعالى وأن نخلع ما كنا نعبد من الأصنام وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ثم مضى جعفر يعدد للملك أمور الإسلام وأخلاقه الفاضلة إلى أن قال فاتبعناه فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا فخرجنا إلى أرضك واخترناك على من سواك. Donc le compagnon Ja'far ibn Abi Talib prit la parole et dit au roi: ô roi d'Abyssinie, nous étions un peuple qui vivait dans l'ignorance. Nous adorions les idoles, nous consommions la viande de cadavres d'animaux, nous commettions les perversités et les turpitudes, nous détruisions les liens familiaux, nous ne respections pas le bon voisinage et les plus forts d'entre nous écrasaient les plus faibles. Nous étions dans cet état lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager parmi les gens de notre cité, un homme dont nous connaissons les origines et dont nous connaissons les hautes valeurs morales. Il nous a appelés à n'adorer qu'Allah seul et à renier les idoles, et il nous a ordonné d'accomplir la prière, de donner l'aumône et d'accomplir le jeûne. Et Ja'far continue ainsi à présenter les principes de l'islam et ses qualités morales au roi, jusqu'à ce qu'il conclue: nous l'avons suivi, mais notre peuple, les gens de notre peuple nous ont agressés, nous ont torturés et ont combattu notre foi. Nous avons alors décidé d'émigrer vers ton pays et nous t'avons choisi parmi d'autres souverains. فقال له النجاشي: فهل معك مما جاء به من الله شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب صدرا من سورة مريم. فلما استمع النجاشي إلى الآيات تتلى عليه بكى حتى أخضلت لحيته، وبكى الأساقفة من حوله حتى أخضلوا المصاحف التي كانوا يحملونها. ولما انتهى جعفر من تلاوته قال له النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى وفد قريش فقال: انطلقا فلن أسلمهم إليكما. Donc le roi demanda alors à Ja'far: as-tu mémorisé certaines des paroles révélées à votre messager? Et Ja'far lui répondit oui. Donc le roi l'invita à lui réciter, et Ja'far récita les premiers versets de la sourate Maryam, la sourate numéro 19. Et donc le roi et les dignitaires autour de lui écoutèrent attentivement, et le roi pleura d'émotion à tel point que sa barbe en fut mouillée, et les dignitaires religieux qui l'entouraient pleurèrent à tel point que leurs larmes mouillèrent les livres qu'ils tenaient dans leurs mains. Lorsque Ja'far termina sa récitation, le roi lui dit: ce que tu viens de me réciter et les paroles de Jésus proviennent toutes deux de la même source de lumière. Il se tourna alors vers les émissaires de Quraysh et leur dit: retournez dans votre pays, je ne vous les remettrai jamais. هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا
الصدق في طاعته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين صدقوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع سنته، والحمد لله رب العالمين.